Salut tout le monde, c'est le général Arnaud Calamo pour cette fois-ci l'update de mon briefing que j'avais prévu depuis un moment. Un briefing un peu court sur un duel au sabre laser. Oui, un duel au sabre laser. Et ça se passe pendant l'époque, pendant The Old Republic, pendant le soulèvement de Dark Malgus, le faux empereur, ceux qui le connaissent sur ce nom-là. Alors, voilà, ceci est la plateforme de Corriban. Pour ceux qui ont vu la bande-annonce de The Old Republic, la première bande-annonce, ça se passe pour libérer Corriban. Alors là, ben voilà, voici les sites qui vont être aidés par les Mandaloriens pour reprendre une base Corrie qui a été prise par les Jedi. Et là, je vous présente un peu les petits personnages de mon briefing. Alors, là, je pose, ça fait ça. Alors lui, en premier, son nom c'est Compact, le site. Lui, je l'ai fait à partir du visage et de la main du rideau des armures de clones et du corps d'Anakin de l'épisode 3. Je trouve qu'il est plutôt réussi, comme on l'a vu. Les Mandalorians de Battle Pack et le Mandalorian customisé. Voilà, customisé comme vous pouvez voir. J'ai rajouté des petites épaulières et des petits trucs dans les mains. Lui c'est le chasseur de primes Mandalorian Zartus. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer le méchant de l'histoire, on va dire. Attendez deux secondes. Sors ici. Voilà. Ouh la vache, la cape. Voilà. Voilà, c'est un peu de son. Alors, c'est lui, le méchant de l'histoire. Enfin, de cette histoire. C'est Lord Tantus. Oui, pour ceux qui connaissent Tantus, enfin, Tantus, pour ceux qui m'ont suivi, c'est un mec avec un lance-roquette qui est chauve. Mais là, comme le projet, ça a un petit peu été abandonné, mais c'est grâce à Adrien, un de mes copains, que bah voilà, j'ai réussi à faire. Bah voilà. Maintenant, c'est le vrai Tantus. Alors, lui, il a été fait à partir d'une capuche. Une cape. L'armure de Savage Opress. Les habits de Anakin de The Clone Wars. Et le visage. Je sais pas si vous pouvez mieux voir celui-là. Enfin, le visage d'un mec qui rigole pas. Enfin, on n'arrive pas à mieux voir. Ouais, c'est dommage, désolé. Bon, vous verrez durant le film. Voilà. Je tiens quand même à remercier mon ami qui m'a prêté justement le visage du site, parce que j'en avais besoin. Enfin, non, pas prêté en fait, donné, puisqu'il me l'a rendu drôle. Mais bon. Maintenant, je vais vous présenter les méchants du jeu. Attendez, désolé. Les méchants du jeu, en fait, non, c'est les Jedi. Alors, lui, le maître et son padawan. Alors, le maître Jedi a été fait à partir d'une armure de clone Cody, de The Clone Wars, un visage de sapeur-pompier et les jambes d'un exo-force. Et lui, l'apprenti, le corps de Ki-Adi Mundi et le visage de Matt Williams avec le sabre laser de Yoda. Voilà, ça c'est fait. Les présentations sont faites. Maintenant, un petit peu d'où c'est faire bouger, puisque sinon ça va pas être. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un briefing. Un petit peu, voilà, un petit tuto pour faire un bon. Alors, déjà, bah, voilà. Déjà de 1, il faut une plaque. Faut pas faire soi-même la plaque. Je tiens à vous le dire. Il faut un endroit pour poser votre appareil photo. Regardez, moi je peux faire ça. Voilà. Là, je ferai un zoom ici. Et voilà, la première scène. Il faudra mettre les personnes. Voilà, faut une plaque. Faut quelque chose pour pouvoir cacher l'arrière-plan. Mais bon, moi, mon arrière-plan, c'est ça. C'est mon mur. C'est le mur de ma chambre. Et voilà. Alors, là, vous avez un petit speeder de le vaisseau de Mass Windu. Vous avez la mitrailleuse. Vous avez un petit endroit. Enfin, cette petite porte. Cool, porte. Pour faire un bon film aussi, il faut la luminosité. Et comme pour ceux qui me connaissent, ma luminosité a toujours été une luminosité de merde. Toujours jaune, toujours moche, et ça change tout le temps. Mais j'ai du nouveau matos, une lampe. Oh yeah. Une lampe. Bon,
15 000 qui changera, ce sera un petit côté beau, j'espère. Maintenant, je vais vous montrer comment faire marcher votre personnage. Enfin, je vais vous montrer le faire marcher. Je vous précise que pour... Je tiens à préciser que pour ceux qui utilisent des effets spéciaux, je leur conseille, moi je leur conseille GIMP. Parce que moi j'utilise GIMP, hein. J'utilise que ça. Et voilà. Mais pour ceux qui font autre chose, je vous conseille aussi d'utiliser Adobe Photoshop et After Effects. Alors ça, je voulais absolument ça, mais sauf j'ai remarqué que c'était plus long. Alors maintenant, pour faire marcher un personnage, il y a différentes techniques, de la plus flemmarde, enfin de la plus nulle, à la meilleure. Enfin, la meilleure, ça va vous parler. La plus nulle, alors là, vous prenez la première photo, seconde photo, troisième photo, quatrième photo. En fait, le mec, il marche sur vous, enfin, il glisse sur de la patinoire. La seconde technique, c'est une technique un peu chelou. Attends, je vais utiliser un autre personnage. On verra mieux. Alors, première photo comme ça. Deuxième photo. Troisième photo. Quatrième photo. Cinquième photo. Voilà, en vérité, vous bougez juste un pied, mais ça fait un peu chelou quand même. Ça peut être pas mal pour certains, mais moi je trouve ça un peu chelou. Mais bon. Chacun sa technique. En fait, c'est une technique assez bizarre que j'ai vue, mais moi je l'utiliserai jamais. Pourquoi ? Vous me demandez peut-être pourquoi, j'ai ma petite technique, moi, c'est celle-là. Première photo, deuxième photo, troisième photo, quatrième photo, cinquième photo, sixième photo, septième photo, huitième photo. Et alors, huitième photo là. Alors, en fait, le mec, on dirait qu'il va à l'armée. À l'armée, ça ferait peut-être bien, mais là, je trouve ça un peu chelou quand même. Mais je ne dis rien, mais moi je trouve ça un peu fou, c'est mon point de vue à moi. Ensuite, il y a une autre technique que j'utilisais avant, elle est un peu flemmarde, mais bon, je te fais partir d'un tracking bar, s'il vous plaît. Alors, on va faire la première photo, seconde photo, troisième photo, non, comme ça, troisième, quatrième photo, oui, troisième photo, oui, non, enfin je crois, hop. Cinquième photo, on va dire. Sixième photo. Septième photo. Huitième photo. Voilà. Après, il y a une autre technique que j'utilise, moi. Pour ceux qui ont vu mes briefings, ou là, qu'il faut qu'on regarde les photos. Cette technique-là, je la trouve pas mal. Le but, c'est de faire bouger les bras, mais moi, je fais pas bouger parce que je suis flemmard. Alors, première photo. Seconde photo. Mais qu'il est un peu entre les deux briques, pour ceux qui... entre les deux plots, on va dire. Vous voyez bien, il est un peu entre les deux, il se tient un peu entre les deux. Alors, première photo, comme je disais, quatrième photo, et cinquième photo. Vous allez voir, si vous... moi j'ai pas envie d'utiliser mes photos parce que déjà mon appareil photo est presque vide là, mais j'utilise avec un appareil photo, ça va être ma chute. Mais bon, voilà, pour le moment ça fait ça, je suis plutôt heureux. Montrer quand même un morceau de la scène, un petit morceau, hein. Juste la première scène, ce qui va se passer. C'est oui, il est où là, là, c'est là, c'est l'inverse. La première scène sera comme ça. Oui, voilà. Voilà. J'ai broché un peu le binocle ici. Voilà, ça veut dire déjà une heure.